Pour commencer un projet Ionic, nous aurons besoin de Node.js. Pour ce faire, nous allons devoir l'installer. Nous allons directement sur le site officiel de Node.js. Hop. Nous sommes redirigés vers cette page où nous avons comme message Download for macOS. Effectivement, moi j'utilise un Mac. Vous pouvez très bien utiliser un système d'exploitation sous Linux ou bien sous Windows. Vous aurez directement la conversion avec les liens, le LTS, redirigé en fonction de votre système. Donc nous on prend oui effectivement le LTS, on clique dessus. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, hop, on va sur le package. Et nous avons le protocole d'installation. L'introduction, hop, continuer. Si vous avez besoin de lire la licence, je vous laisse lire. On accepte. La destination, c'est parfait. Et on installe. Moi, j'ai un petit système de sécurité. J'entre mon mot de passe. C'est parti. L'installation est assez rapide. Voilà. Nous allons également vérifier si le système Node.js est bien installé dans notre ordinateur. Hop. Pour ce faire, nous allons tout simplement interroger la commande qui nous permettra de savoir si oui ou non cela est bien installé. Donc, on tape hop, version commande node.js. On va voir la doc. Je prends le premier venu. On lit un petit peu, on fait défiler. Hop, et voilà. Nous avons une commande ici. Donc, vous pouvez copier la commande si vous avez besoin. On va aller sur le terminal. Hop, coller. Et voilà, j'ai la réponse comme quoi j'ai bien la version 16.13.0. Nous avons donc bien installé Node. Retenez bien que Node.js n'est ni un serveur ni un framework. Il est juste un environnement d'exécution JavaScript pouvant être utilisé pour écrire des services côté serveur appelé API, Application Programming Interface. Il constitue une alternative au langage serveur, tout comme PHP ou bien d'autres.